Voici des fragments de la lecture du roman autobiographique intitulé « L'affranchissement », réalisé par l'auteur, Akram Louiz. L'introduction. Considérez-vous comme chanceux si vous avez du temps libre pour vous amuser ou pour lire ces lignes, car le mondialisme incoercible est capable de vous englober pour vous rendre servile à plein temps au système épouvantable du capitalisme. Le capitalisme cruel a utilisé la mondialisation technologique pour se déployer en détruisant le socialisme solidaire qui lui manquait malheureusement les moteurs de la concurrence entre les citoyens. On s'est retrouvé finalement dans un environnement où tout le monde est prêt à faire l'impossible pour escalader une montagne de hiérarchie afin d'avoir un meilleur salaire, et qui malgré tout n'assouvit jamais. Moi, je faisais partie d'un équipage de marins qui naviguait bravement à bord d'un navire ridicule. Heureusement, la mer était souvent clémente et si fière qu'elle n'avait jamais voulu nous montrer toute sa puissance. Nous savions tous qu'elle tuait facilement par ses caprices pour vaincre l'intelligence et défier la créativité de l'homme. Or quand les vagues nous berçaient sympathiquement, nous pouvions surmonter la morosité qui débordait du maudit navire, et nous arrivions à remplir nos fonctions en toute quiétude. Voici un fragment de la fin du roman. Je n'attends pas une lettre de réponse de ta part car je sais que tu ne peux pas renier les points de vue que tu entends à propos de moi. Tu ne peux pas renier tout ce monde minable autour de toi et sortir de ce courant fort qui emporte même les bons comme toi. Dis-leur de ma part que je souhaite pour eux que la grande sorcière ou les familles de sang royal ressuscitent. On verra si vous allez cette fois vous en sortir sans moi et ma belle Noa. Cordialement vôtre, Marcopsie.